السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. Une anecdote en guise d'introduction, pas plus tard que hier soir, un frère demande une entrevue parce que justement il vit une épreuve. Donc il veut me voir, je le rencontre. Il a divorcé, il a deux enfants. Donc il a laissé l'appartement à sa femme, ses enfants, et lui vit dans sa voiture. Donc ça fait 4 mois qu'il est dehors, à la rue, il vit dans la voiture, parce que c'est dur dans la région parisienne d'avoir un logis. Donc il me raconte plus ou moins, mon objectif moi c'était de l'écouter, entre autres pour essayer de le réconcilier, mais on ne peut pas. C'est fini, c'est irréversible. Donc je lui ai proposé une autre femme pour se marier, qui elle aussi est divorcée. Je vais essayer, Inch'Allah, la semaine prochaine de créer une rencontre. Mais ce qui m'intéresse, ouvrez bien vos oreilles, c'est que le frère, il me raconte, puis à un moment donné, il me dit, malgré tout ce que je vis, sache que je ne me plains pas. Car le musulman n'a pas à se plaindre. Car le musulman a de la chance. Je lui dis, quelle chance il a ? T'as pas vu la galère dans laquelle tu es ? Il dit, Alhamdulillah, je suis croyant, j'ai la foi, la vie ne va pas durer, et ce qui m'attend au paradis, c'est le top. Et croyez-moi, je suis resté 1h30 avec lui. Bon, ben, pendant 1h30, le frère, il avait un sourire. Je dis, ah non, il n'est pas dans la galère, il est tout content, il est tout heureux. Et c'est vrai. Il était tout content, il était tout heureux. Et il a dit, ce qui m'arrive, alhamdoulilah, c'est un bien. Le divorce n'est pas un malheur. Parfois, c'est une nécessité, c'est une obligation. Et quand il me parlait, je l'écoutais, en même temps je me remémorais sans arrêt le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le croyant est un cas exceptionnel. Lorsqu'un bien le touche, il dit alhamdulillah, il n'attrape pas la grosse tête. Vous entendez ? Il ne devient pas un but de sa personne, il ne devient pas hautain. Il n'utilise pas ce bien que Dieu lui a donné pour dominer les autres et les écraser. Et lorsqu'un malheur le frappe, et c'est quoi un malheur? C'est quelque chose qu'on n'aime pas de prime abord. Mais c'est quelque chose qui nous touche et qui nous fait mal physiquement ou psychologiquement de prime abord, c'est-à-dire de suite. Mais juste après, ce mal se transforme en bien. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant musulman est différent des gens, de la majorité. Il est exceptionnel. C'est un cas particulier lorsqu'un bien le touche. Il reste modeste. Il remercie Dieu. Il sait que ça vient de Dieu. Et lorsqu'un mal le touche, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Il sait que c'est une épreuve et que ça va passer, que derrière le mal, il y a un bien. Il se peut que vous détestiez quelque chose, et c'est le bien pour vous. Et il se peut que vous ayez envie de quelque chose, et cette chose, c'est le malheur pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et seul Dieu sait la réalité des choses, c'est-à-dire les conséquences, le devenir. Nous, on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas l'invisible. Et Dieu sait, et Dieu sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour son serviteur. C'était l'anecdote, c'était l'histoire. Elle est toute fraîche, vous avez vu, elle date d'hier soir. Pour vous dire que c'est ça la vie, en vérité. Comme dit Ali ibn Abi Talib, la vie c'est un jour t'as le sourire et un jour t'as les larmes. Voire 2 jours tu pleures. Rien n'est éternel sur terre. Je crois que c'est le pire, non? On doit garder les deux.
est-ce que vous entendez tout à l'heure? Non, vous n'entendez pas. Il était bien le premier? Oui, mais derrière, on n'entend pas. Donc si vous n'entendez pas, c'est à moi de crier plus fort, n'est-ce pas? Ça va là maintenant, c'est bon, vous entendez? Bien là, allons-y. Donc, qu'est-ce que je disais, tiens, j'ai été coupé. C'est une histoire juste d'hier. Une histoire fraîche. Voilà, la vie c'est un jour tu souris et un jour tu pleures. Rien n'est éternel, rien ne dure. Le bien, le bonheur est éphémère. Et le malheur lui-même est éphémère, il ne dure pas. La problématique, vous savez où elle est? Elle est dans notre posture psychologique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on voit les choses? Comment est-ce qu'on interprète les choses de la vie? Si tu pars du principe que la vie ne dure pas, maximum ça sera 100 ans, ouais. Sinon c'est 60, 70, 80, et que après la mort, commence la vie, avec un grand V, ce qu'on appelle El Hayawan, la vraie vie. Pourquoi est-ce que Dieu appelle la vie d'ici-bas El Hayat, la vie? Et la vie de l'au-delà, el-hayawan. El-hayawan, c'est un superlatif, c'est-à-dire la vraie vie, la grande vie, la super vie. Ici, c'est un avant-goût. Hein, c'est l'entrée. Le plat de résistance, il n'est pas ici, il est dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que la vie dans l'au-delà, elle est éternelle. La différence entre la vie d'ici et celle de l'au-delà, c'est que là-bas, ça dure. Ça s'arrêtera jamais. Ça sera pour toujours. Et les plaisirs sur terre ne durent pas. Et regardez, subhanallah, comment les plaisirs sur terre, parce qu'ils ne durent pas, se transforment en malheur. Vous avez un enfant. Il vient de naître. Il est tout mignon, il est tout beau. Vous êtes heureux, oui ou non? C'est un plaisir. Ouais. 2 mois plus tard, il meurt. Le plaisir est devenu... hein. Vous avez une super voiture, vous venez de l'acheter, vous êtes tout content. Le lendemain matin, vous faites un crash. Regardez, le plaisir est devenu un... Pourquoi? Parce que le plaisir ne dure pas sur terre. Il est éphémère. L'au-delà, le plaisir dure, il est éternel. Tu ressens le plaisir et ça ne s'arrête pas. C'est pour cela, arrêtez de rêver. La vraie vie, c'est là-haut. La vie d'ici-bas, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve. Ça veut dire quoi, une épreuve? Une épreuve, ça veut dire que tu es testé. Un examen, il faut le réussir. Conclusion, si tu as bien appris ta leçon et tu es à la hauteur, tu es sûr de réussir ton examen. Tu t'en vas le jour de l'examen, souriant, heureux, content, pas de stress. Vous êtes bien d'accord? Celui qui n'a pas bossé, avant même qu'il passe l'examen, il sait qu'il ne l'aura pas. Moi, je ne l'aurai pas. Je ne suis pas préparé à l'examen. Tu as eu ton concours? Non. Pourquoi tu ne l'as pas eu? Ah ben, j'ai rien fait. Quant à l'autre, il a eu son concours haut la main, avec le sourire, il est content. Pourquoi? Parce que il s'est préparé, il sait qu'il n'y a rien de gratuit sur terre, et deuxièmement, il sait que pour avoir gain de cause, pour avoir raison, pour récolter, il doit faire des efforts, il doit semer. Ainsi, si on part du principe que la vie sur terre est une épreuve, il faut quoi? Nous préparer pour réussir l'épreuve. Et vous verrez que tout va se transformer en moment de plaisir. Comme a dit le hadith au début, vous vous souvenez? Quand un malheur le touche, quand un bien le touche, regardez comment il réagit. C'est quoi cette préparation? C'est la foi. Ajaban li amri al-mu'min. Le prophète a dit, seul le croyant sera comme ça. Celui qui n'a pas assez de foi, ou qui a peu de foi, ou qui n'a pas la foi du tout, ne peut pas se comporter de cette manière.
Celui qui a la foi, c'est-à-dire qui sait que Dieu fait ce qu'il veut, et que tout ce que Dieu fait, c'est un bien, et que tout ce qui nous arrive sur terre, tout ce qui nous arrive sur terre, ouvrez bien vos oreilles, c'est un investissement pour l'au-delà. Que ce soit un bien ou que ce soit un mal. Si c'est un bien, tu le gères comme il se doit, tu seras récompensé. Si c'est un mal, tu le gères comme il se doit, tu seras récompensé. Conclusion, c'est du bénéfice sur toute la ligne. On n'est pas perdant, on est toujours gagnant. Le seul problème, c'est est-ce que tu as un degré de conviction et de foi qui te permet justement de tout interpréter pour que tu puisses supporter les moments de difficulté. Les moments de bonheur, généralement, on n'a pas de problème avec, n'est-ce pas, hein, on est content, mais c'est une arnaque, attention. Hein. Là, on croit que quand tout va bien, tout va bien. C'est faux. Quand tout va bien, commencent les problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que ce moment de bonheur est une épreuve. Vous avez compris? On n'est pas conscient que le moment de bonheur est une épreuve en lui-même. Vous serez éprouvé dans le bien et dans le mal. Vous devez faire quoi? Atasvirun, allez-vous patienter quand c'est un malheur? Atashkurun, allez-vous être reconnaissant quand c'est un bien? Regardez comment on est. Quand un malheur nous frappe, tout de suite, on se dirige vers Dieu. On devient de bons croyants, de bons pratiquants et on fait beaucoup d'invocations. Quand un bien nous touche, on n'a pas la même réaction. Hein, le bien qui nous gagne ne nous rapproche pas de Dieu. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris que ce bien c'était une épreuve. On n'a pas compris que nous allons rendre des comptes. On n'a pas compris que Dieu nous teste. En fait, il faut atteindre un degré de conviction et de foi qui nous permet de quoi? De voir la main de Dieu derrière tout ce qui se passe. La volonté de Dieu derrière tout ce qui se passe. Tout, quand ça me plaît ou quand ça ne me plaît pas. C'est ça l'yakin, la certitude. Et quand tu as cette certitude, tout est secondaire. Tout. Il n'y a qu'une chose qui est importante à tes yeux. Vous savez, c'est quoi la chose? C'est ta foi, ta religion. Si tu as la foi et tu pratiques ta religion, le reste ne compte pas. Parce que le reste, c'est quoi? C'est de l'artificiel. C'est secondaire. C'est pas important. Pourquoi? Parce que la pire des choses, c'est qu'on aille en enfer. C'est ça le vrai malheur. Et vous savez tous ce qui se passe en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a joui le plus sur terre, c'est-à-dire qui n'a jamais connu le malheur sur terre, il n'a connu que le plaisir et le bonheur, va être plongé en enfer quelques secondes, et ensuite les anges vont lui poser la question: est-ce que depuis que Dieu t'a créé, tu as connu un moment de plaisir? Il dira non. Depuis que Dieu m'a créé, je n'ai connu que la souffrance. C'est-à-dire les quelques secondes qu'il a passées en enfer lui ont fait oublier les 70 ans qu'il a passé sur terre dans le luxe, dans la luxure. Vous vous rendez compte? Oublié, effacé, reset. C'est terrible. Une seconde en enfer. Donc, quel que soit ce qui peut nous arriver sur terre de désagréable, c'est rien. La preuve, l'homme qui a souffert le plus sur terre, qui a été privé, n'a connu que les épreuves désagréables, va être plongé au paradis une seconde. Et les anges vont lui dire: est-ce que tu as connu la souffrance depuis que Dieu t'a créé? Il dira non. Depuis que Dieu m'a créé, je n'ai fait que jouir. Regardez, la jouissance du paradis, aussi éphémère soit-elle, te fait oublier tous les malheurs, aussi importants soient-ils. Voilà. C'est ça la solution à l'épreuve. C'est: est-ce que tu sais, est-ce que tu es convaincu, est-ce que tu crois que il y a quelqu'un de puissant et de sage, et en plus il te veut du bien, qui gère ta vie? Si tu as atteint ce degré de conviction, ben tu te réveilles le matin avec le sourire. Tu dis: Alhamdulillah, Dieu m'a donné encore aujourd'hui une chance
Pourquoi ? Pour pouvoir me rapprocher de lui. Pas comme je veux, comme il veut lui. Al-Fudayl ibn Ayyad, radiallahu anhu, a dit : je ne me soucie pas de ce qui m'arrive. Car le choix et la volonté de Dieu sont meilleurs que mon choix et ma volonté. C'est-à-dire, ce que Dieu fait de moi, c'est ça ce qu'il y a de mieux. Vous êtes bien d'accord que nous, on a des rêves, on a des projets. Hein, on s'imagine que si on avait telle chose, on faisait telle chose, on serait heureux. Et que si telle chose ne nous arriverait pas, on serait heureux. Vous savez ce que dit le Fondail ibn Ayyad ? Il dit, moi je ne suis pas dans cette posture de décider de ce qui va faire mon bonheur ou ce qui fait mon malheur. Vous savez comment je suis, moi ? Tout ce qui vient de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Parce que le choix de Dieu est meilleur que mon choix. La volonté de Dieu est meilleure que la mienne. Car Dieu sait et moi je ne sais pas. Peut-être que ce que je décide, c'est bien momentanément, mais dans un avenir proche, ce sera la pire des choses. Et le contraire. Donc vous êtes bien d'accord que tout est une question de conception. Comment est-ce qu'on conçoit la vie ? Comment est-ce qu'on conçoit la vie après la mort ? Quelle image nous nous faisons de Dieu ? Si notre croyance est claire et limpide, vous allez voir que notre vie va être aussi claire et limpide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quel que soit le malheur qui vous frappe, vous serez récompensé, même lorsqu'une épine vous pique. Ouais. Tu es en train de travailler, tu te donnes un petit coup de marteau, c'est comme si tu avais fait une prière. Ouais, c'est comme si tu avais fait de la rak'a. D'ailleurs, Dieu te récompense. À Shauka, vous entendez ? Une épine, c'est-à-dire un petit bobo de la vie au quotidien, se transforme en quoi ? En acte d'adoration. Le prophète est tombé, il s'est écorché le doigt, il a regardé son doigt qui saignait, et vous savez ce qu'il a dit à son doigt ? Il lui a parlé. Il lui a dit, tu n'es qu'un doigt qui saigne, et ce qui t'est arrivé, ça t'est arrivé par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Alhamdulillah, ouais, c'était écrit, c'était le destin, c'est pas la fin du monde. Ouais. Vous savez comment il gère les petits malheurs ? C'est pas la fin du monde. D'ailleurs, le hadith va plus loin. C'est ce qu'il dit. Tout malheur qui vous touche, même la peur, vous savez, une petite frayeur. Ton enfant, il se rapproche de l'escalier, il va tomber. Oh, ça, tu retiens ton souffle. Hop ! Vous savez ça, là, ce sentiment de peur ? Vous êtes récompensé. Même Elham, les soucis. Tu as reçu ta facture d'électricité, de gaz, là ? Elle est salée. Ouais, 400 euros. Vous savez ce premier choc, là ? Ah, mon Dieu ! Ouais. Comment je vais faire pour la payer ? Tu es récompensé. Ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire, les petits problèmes de la vie qui nous empoisonnent la vie. Il y en a, hein, vous êtes bien d'accord, hein ? Mais tous ces petits soucis, si vous savez voir derrière la volonté et la main de Dieu, vous allez garder le sourire. Vous allez dire, hey, c'est pas grave. Ouais. Que Dieu me donne mieux que ce que j'ai perdu. Non, c'est pas ce que dit le hadith. Parce que quelqu'un perd quelque chose, qu'il dise, ya Allah, donne-moi, récompense-moi. Pour ce malheur, donne-moi mieux que ce que j'ai perdu. Et Dieu te donnera mieux. À sa manière, quand il veut, comme il veut, autant de fois qu'il veut. La vie la plus belle, c'est celle qui est vécue à la lumière de la foi intelligente. Vous n'entendez pas une foi qui handicape ta faculté de penser, de raisonner. Elle est intelligente. Tu es éveillé. Parce que si ta foi, elle n'est pas éveillée, quand l'épreuve va arriver, tu es en train de dormir au niveau spirituel. Et c'est là où le choc va être terrible, et c'est là où tu ne seras pas capable de porter le fardeau de l'épreuve.
C'est-à-dire, il faut toujours être en forme au niveau spirituel. C'est ça le problème en vérité. Hein. On est tous croyants. On sait tous qu'il y a le paradis. On sait tous que si un malheur nous arrive, Allah va nous récompenser. On le sait. Le problème, c'est dans quelle posture tu es au moment où le malheur t'arrive. Est-ce que tu es au top dans ta foi ou est-ce que tu es au plus bas? Si tu es au plus bas, tu n'arriveras pas. Dans un premier temps, à gérer l'épreuve. Tu vas peut-être la gérer, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Mais qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? La vraie patience qui mérite la vraie récompense, c'est laquelle ? C'est celle dont tu fais preuve au moment où le malheur te frappe. Le prophète passe devant le cimetière, il voit une femme assise, en train de pleurer, son défunt. Et le prophète lui dit, patiente, arrête de pleurer comme ça. Il lui dit, ouais, c'est normal que tu me parles comme ça, parce que c'est pas ton fils. Moi, c'est mon fils que je viens d'enterrer. Hein. Donc toi, tu me dis de patienter, parce que tu vis pas les choses comme moi. Elle ne savait pas que c'était le prophète. Hein. Le prophète continue sa route. Il y a des compagnons qui viennent lui dire « Tu as manqué de respect, c'est le prophète ?» Elle a dit « Oh, je ne savais pas que c'était lui, je ne l'ai jamais vu. » Et elle va aller frapper à la porte du prophète pour demander ses excuses. Et le prophète va lui dire « Innama sabro inda sadmati loula » C'est-à-dire celui qui mérite la récompense, le patient, c'est lequel ? C'est celui qui, lorsque le malheur le frappe, il est en posture, en état de quoi ? De patienter, c'est-à-dire, il garde ses esprits. Ouais. Il n'est pas faible. Nous, notre problème, c'est que notre foi, elle est faible. Quand le malheur arrive, on est déstabilisé. Marwa ibn Zubayr. Ouais. Deux malheurs vont le frapper en même temps. L'amputation de sa jambe et la mort de son fils. On l'ampute d'une jambe parce qu'il a la gangrène. Lorsqu'il reprend ses esprits, vous savez ce qu'il leur dit ? Il leur dit, Alhamdulillah, Dieu m'a donné 2 jambes, il m'en a repris une, je le remercie pour celle qui m'a laissée. Vous avez vu comment ils voient les choses ? Il m'en a donné 2, il m'en a repris une. Pas mal quand même, hein ? Il m'en a laissé une. Et en plus, il regarde sa jambe et il dit, Alhamdulillah, je ne t'ai jamais utilisé pour aller dans un endroit interdit. Donc tu peux aller au cimetière, tu seras bien logé, hein, tu seras au paradis, tu me devances. Ce malheur fini, on lui annonce que son fils vient de se faire tuer par un cheval. C'est ce qu'il dit, Alhamdulillah, Dieu m'a donné, je ne sais plus combien d'enfants, il m'en a repris 1, je remercie parce qu'il m'a laissé les autres. Subhanallah, vous vous rendez compte ? Il faut le faire quand même, hein. Oui, en fait, il avait la foi et sa foi, elle était au top. C'est pour ça, c'est presque s'il disait au malheur, vous pouvez venir les uns après les autres, je suis prêt à vous encaisser. Ouais. C'est comme celui, tu veux gifler ton gosse. Ouais. Si tu le prends à l'improviste, ça fait mal. Mais s'il se prépare, il fait quoi ? Ouais, il se... On est tous d'accord, hein, quand tu te prends un coup sans le savoir, ça fait mal. Mais quand tu t'attends, ça fait, le mal est réduit. C'est la même chose. Celui qui a la foi, quand le malheur arrive, il a une capacité de gérer le malheur. Mais c'est quoi cette gestion du malheur ? C'est la patience, c'est le recul. Pourquoi ? Est-ce de ma faute ? Si c'est de ma faute, fais son mea culpa, il se corrige. Si il n'y a pas de raison apparente, mais c'est purement et uniquement une épreuve de la part de Dieu, à ce moment-là, il fait quoi ? Il dit « Alhamdulillah » et Dieu le récompensera sur terre et dans l'au-delà. Donc ouvrez bien vos oreilles, je vais dire.
savez, si vous croyez que la vie va passer sans épreuve, et l'épreuve la plus dure, c'est pas l'épreuve dans le mal, mais c'est l'épreuve dans le bien. Parce que l'être humain n'est pas conscient qu'il est éprouvé lorsque le bien le touche. Vous entendez? Vous allez me dire, et alors, en quoi c'est une épreuve lorsque le bien me touche? Tant mieux, je suis content. Mais non, vous vous trompez, il n'y a rien de gratuit sur terre. Le bien qui te touche, il faut le payer. Ouais, il n'y a rien de gratuit. Primo, il faut déjà que tu sois conscient qu'il vient de Dieu. Reconnaissance. Deux, il faut remercier Dieu. Trois, il faut en faire bon usage. Car ce bien, si tu l'utilises dans le haram, ben il devient un malheur. Exemple tout simple. Tu te réveilles le matin, alhamdoulilah, tout fonctionne. Ok ? Les yeux, les oreilles, le nez, les jambes, tout fonctionne. Alors, ce soir, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la télé et tu regardes avec tes yeux quelque chose de haram. Regarde, Dieu t'a éprouvé le matin, il t'a donné un don, un bienfait qui s'appelle la vue, et tôt le matin, tu utilises ta vue dans le péché. Et voilà, le bien s'est transformé en mal, parce que tu n'en as pas fait bon usage. Et c'est ce qui va se passer toute la journée. Ta santé, ton corps, ton esprit, tu vas les utiliser et tu vas en faire des péchés toute la journée. Le pire, c'est pas ça. C'est que tu n'es pas conscient. Parce que moi, si tu es conscient, après, tu demandes pardon. Et le mal se transforme en bien. Vous êtes bien d'accord? Dieu transforme les péchés en hasanat. Lorsque le repentir est profond et sincère. Non. Toi, tu n'es pas conscient que ce que Dieu t'a donné, tu es en train de l'utiliser. Non pas pour te rapprocher de lui, mais pour t'éloigner de lui. Allez, ça c'est le pécheur. On va parler du musulman qui ne va pas utiliser son corps pour désobéir à Dieu. Mais vous savez ce qu'il fait ce musulman? Et ça c'est la majorité des musulmans. Il n'utilise pas son corps pour obéir à Dieu. Et voilà, c'est une épreuve. Et le bien se transforme en mal. Ah, Dieu lui a donné la santé et il a demandé de faire 5 prières, il ne les fait pas. Ton corps là, tu n'as pas utilisé pour faire les prières. Ton cœur, tu n'as pas utilisé pour faire la prière. 5, pas plus par jour. De manière obligatoire, va devenir pour toi la source de tous les maux et d'une souffrance imperceptible. C'est-à-dire, tu vas aller en enfer, ouais, et tu vas brûler en enfer, et ton corps va souffrir parce que tu ne l'as pas utilisé sur terre pour faire la prière. Masalakakum fi saqar. Comment se fait-il que vous êtes en enfer? Ils diront, nous n'avions pas sur terre accompli la prière. Regarde, Dieu t'a donné la santé, il t'a donné la raison, au lieu de les utiliser pour obéir à Dieu, tu ne l'as pas fait. Cette santé, cette raison dont tu as joui sur terre pendant 60 ans, va être la source de tes maux, de tes malheurs et de tes souffrances pendant une éternité. Donc vous voyez que la pire des choses, c'est de ne pas être conscient que le bien dont nous jouissons sur terre va se retourner contre nous si notre jouissance n'a pas été conforme à la volonté de Dieu. Un autre exemple. Regarde, Dieu t'a donné du temps, t'a donné la santé, t'a donné des compétences, des qualités, des moyens. Et tu ne les utilises pas pour faire le bien. Répondre le bien, être au service de ses créatures. Et tu crois que tu ne seras pas questionné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, Dieu va nous interpeller en ces termes. Ô mon serviteur, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Et là tu vas dire à Dieu, ya Allah, toi, faim? C'est pas possible. Tu es le Seigneur de l'univers. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas, tu ne le ressembles pas. Et c'est toi-même qui as créé la faim. Choc, hein? C'est pas possible, ya Allah, que tu aies faim. Et là, Dieu te dira, un tel avait faim. Tu étais au courant. Tu avais les moyens de lui donner et tu ne l'as pas fait. Vous avez vu? Regardez, Allah, il nous a donné, nous. Vous êtes bien d'accord? On a, hein? On est en France, on est français.
on ne meurt pas de faim. On a même des excédents, non? On gaspille, tiens. Non, on ne gaspille pas un petit peu, si? Si, si. Si, quand même. Faut voir la bouffe, hein. Ouais. Faut voir le gaspillage. Regardez, regardez comment cette nourriture abondante, regardez le frigidaire, comment il est rempli. Regardez nos gosses et nos enfants. Ils mangent, ils se mettent debout, la moitié de l'assiette. Fini à la poubelle, c'est ça? Il prend un yaourt, il ouvre, il met 3 cuillères, et le reste, il le laisse, et il court, il s'en va, il s'amuse. On lui dit rien, on prend le yaourt, on le noue ça, là. Ah, si vous savez ce que vous venez de faire. Vous venez de prendre votre gosse et vous-même, hein, et vous êtes jeté en enfer. C'est au quotidien, ça, oui ou non? Ben, Dieu te dira, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et si on fait attention, on évite le gaspillage, automatiquement on va faire des économies. Oui? Au moins 20, 30 euros par mois d'économies. Ben voilà, 30 euros, allô, Secours Islamique, 30 euros pour un orphelin en Éthiopie, Bangladesh, allô, CBSP, la Palestine, 30 euros. Et voilà, quand Dieu te dira j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais dire, oh si Allah, prélèvement automatique. Voilà mes relevés d'identité, mes relevés bancaires. Regarde, tous les mois, il y a 30 euros qui sortaient. C'est la réalité ou c'est pas la réalité? J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Seigneur, toi, manger, un tel avait faim, tu le savais, tu étais au courant, tu avais les moyens et tu ne l'as pas fait. Si tu l'avais fait, tu trouverais aujourd'hui là, récompense de ton geste. Allez, mettez-moi ce truc en enfer. Au suivant. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris. Je recommence. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais être méchant. Vous voulez ou vous voulez pas? Vous voulez que je sois méchant? Hein? Bien ça. Vous êtes mazou. Non, parce que si c'est pour parler, passer une petite après-midi mignonne, gentille, ça sert à rien. Oh là, je perds mon temps. Hein. Je me dis franchement, je me barre tout de suite, je rentre chez moi, je m'occupe de ma femme et de mes gosses et de mes chèvres et de mes vaches. Ouais. Mais si c'est pour qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle, et puis le public ne comprend pas que l'objectif du discours, c'est que demain soit différent d'aujourd'hui. Non, pas demain, tout à l'heure, là, dans 10 minutes, dans 1 heure, je prends au moins une décision pour changer ma vie. Une. Je vous en demande pas 10, on peut pas tout faire d'un coup, tout changer d'un coup. Une, au moins une. Je sors de cet après-midi avec un engagement. Ya Allah, je m'engage, je te promets, je jure que à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Ou je ne ferai plus ça. Sinon, je perds mon temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de parler aux anges. Ouais. Ou là aux djinns, quand ils sont les bienvenus. Je me parle à moi-même et je parle à chacun d'entre vous. Et que chacun se sente visé et concerné. Et ça ne sert à rien de dire j'ai compris si tu ne passes pas à l'acte. Ça ne sert à rien. Au contraire, je te dis vite, mets-toi debout, va-t'en. Parce que tu n'auras pas d'excuse devant Dieu, parce que tu es averti. Car l'ignorant, il est plus ou moins excusé, il ne sait pas. Mais celui qui avertit n'a plus d'excuse. Je disais, quand on est éprouvé dans le bien, c'est pire que quand on est éprouvé dans le mal. Parce qu'on n'est pas conscient que ce bien que Dieu nous a donné, il n'est pas gratuit. Nous allons rendre des comptes. Et le minimum, c'est ne pas utiliser les bonnes choses que Dieu nous a données dans le mal. Ça, c'est le minimum, ça. Sinon, tu crames en enfer. Mais attendez, le problème, c'est que Dieu nous a donné une santé physique, psychologique, financière, intellectuel, et il nous a donné quelque chose encore de meilleur qui s'appelle le temps, et on n'utilise pas tous ces bienfaits pour être au service de sa religion, au service de ses créatures.
déjà de vous citer, j'ai faim, j'ai soif, j'étais malade, etc. Oui ou non? On continue? Regardez. On a une association. Oui ou non? C'est quoi l'objectif de l'association? C'est de rassembler les musulmans pour que les musulmans débattent de choses intelligentes et intéressantes pour changer l'état de la communauté. Et comment voulez-vous que la communauté change si chacun ne met pas du sien, si chacun ne donne pas de son temps, ne donne pas de son argent, ne donne pas de ses compétences? Est-ce que vous croyez que parce que il faut que la communauté change, elle va changer? Est-ce que vous croyez que ce sont les anges qui vont descendre et qui vont faire le boulot? C'est faux. Chacun parmi nous doit s'engager. Allah t'a donné la santé? Donne 2 heures, 4 heures par semaine pour le servir. Regardez, pourquoi on donne 8 heures, 10 heures par jour pour travailler, pour gagner de l'argent? Pourquoi? Parce qu'il y a l'instinct de survie, il faut qu'on vive, il faut qu'on mange, c'est ça? Il faut qu'on paye le loyer, il faut s'habiller. C'est très bien, je suis d'accord. C'est normal, c'est humain, c'est obligatoire. Mais vous êtes bien d'accord que la vie d'ici-bas ne dure pas. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de mourir et d'entrer au paradis. Ah, parce que vous croyez qu'on va entrer au paradis? Parce qu'on a travaillé 8 heures, on a assumé nos responsabilités? Ben vous avez raison de croire ça. Oui, oui, c'est vrai. Celui qui fait ses devoirs sur terre entrera au paradis. Mais attendez, vous oubliez juste une chose. C'est qu'il y a paradis et paradis. Il y a le premier paradis, le minimum, le SMIC. Ouais. Et après, il y a le top, c'est ça? Hein, le super paradis. Firdaus? Vous voulez quoi alors? Vous voulez juste... Non, Archimo quand même. Le prophète a dit, si vous demandez à Dieu le paradis, demandez le meilleur. Franchement, imaginez-vous la scène. Vous entrez au paradis et vous ne voyez pas le prophète. Vous ne voyez pas Boubac, vous ne voyez pas Omar, vous ne voyez pas Salahuddin. Vous ne voyez pas Seif Din Qutuz. Ça, c'est un plaisir au paradis, rencontrer tout. Non? Non, attendez, pire, vous ne voyez pas Dieu lui-même. Non, non, le paradis, il ne faut pas se contenter du minimum. D'ailleurs, entre nous, hein, qui a la garantie qu'il va entrer au paradis? Non? Omar, radiallahu anhu, dit, si tout le monde devait entrer au paradis, sauf une personne... Une personne vouée à l'enfer, c'est qui cette personne? C'est moi, dit Omar. Bon, quand même. Moi, je vous dis, si on ne bouge pas, si on n'agit pas, si on ne fait pas des efforts pour l'islam, pour la religion, pour les musulmans, pour les non-musulmans, si chacun... n'a pas le souci de faire le bien, l'épreuve va être terrible. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit. Si vous ne pensez qu'à votre travail, le hadith, il parle de celui qui est derrière ses vaches, c'est l'éleveur, l'agriculteur. Bon, si vous pensez qu'à vos 8 heures, ouais, gagnez votre pognon, si vous pensez qu'à ça, vous savez ce qui va vous arriver? Dieu va vous punir. Comment est-ce qu'il va nous punir? L'ennemi va prendre le dessus sur vous. Vous allez être dominé. Vous allez devenir des esclaves. Vous allez être privé de votre liberté. Vous ne pourrez plus être vous-même et garder votre identité culturelle, religieuse, intellectuelle. Si vous délaissez l'effort pour la religion et vous vous contentez de courir après l'argent pour vivre, vous allez être dominé. Le hadith dit « Zul
Kullen, vous allez être avili, vous allez être rabaissé au rang de l'animal. Qui va vous rabaisser et vous gérer comme un troupeau d'animaux? Vous savez qui? Votre ennemi. Et vous ne retrouverez votre grandeur, votre force, que si et seulement si vous revenez à votre religion. Et vous savez c'est quoi la religion dans ce hadith? C'est l'engagement, l'effort, le sacrifice pour la religion. Je vais vous traduire ça en langage moderne. Ouais. Vous allez comprendre, c'est tout simple. Vous êtes musulman, vous êtes ici dans cette ville, dans ce coin. Si vous tous, hommes et femmes, petits et grands, riches et pauvres, diplômés ou pas diplômés, vous ne vous engagez pas dans l'association pour prendre votre avenir en charge, vous allez disparaître. Et si vous vous pensez que vous allez vous en sortir, vos enfants ne s'en sortiront pas. Vous savez c'est quoi la pire des épreuves? C'est laquelle la pire des épreuves? La pire des épreuves pour un être humain normalement constitué, c'est de perdre ses gosses. Il préfère mourir et que ses gosses vivent. Vrai ou faux? Vous savez c'est quoi la pire des pertes? C'est pas que son gosse meure et on l'enterre. C'est pas ça, hein? Parce que ça, tu peux rien faire. S'il doit mourir à 8 ans, à 10 ans, à 50 ans, il mourra ton gosse. C'est pas ça. La pire des morts, c'est que tu vois ton gosse vivant physiquement, mais il est mort intellectuellement, psychologiquement, religieusement, moralement. Et regardez ce qui se passe dans notre communauté. Regardez nos parents, et beaucoup de parents, comment ils souffrent. Parce que leurs gosses ont grandi, ils sont devenus ce qu'ils sont. Tu préfères la mort, vous entendez, à cette épreuve. Et c'est un hadith qui le dit. Comment serez-vous le jour où vos enfants seront pourris? Vous serez comment le jour où vos femmes seront pourries? Le jour où vos imams seront pourris? Le jour où vos dirigeants seront pourris? C'est ce qu'il a dit. Ce jour-là, vous préférez être en dessous de la terre qu'au-dessus de la terre. Et vous préférez la mort à la vie. Et c'est un des signes. Le prophète a dit, viendra un jour où l'être humain va passer devant une tombe et il dira à celui qui est enterré dans la tombe, si seulement je pouvais, prendre ta place. Et on change. Viens à toi, laisse-moi sous terre. Parce que c'est une souffrance terrible. Vous savez vos enfants là, Allah vous les protège et vous les préserve. C'est une épreuve. C'est beau, un gosse, c'est magnifique. C'est notre raison de vivre et d'être. Vous n'avez pas vu comment on se sacrifie pour eux? On n'a de vie que pour nos enfants. Et ils sont une épreuve. Ils vont grandir et vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir. Vous ne le savez pas. Mais vous le savez, c'est parce qu'on fait ça, on fait semblant de ne pas voir la politique de l'autruche. Les gosses aujourd'hui sont en danger. Il y a quelque chose qui les guette. Il y a Internet qui les attend. Il y a le portable qui les attend. Il y a la rue qui les attend. Si nous, ma génération, c'était pas évident de les éduquer, vous, c'est pire avec tout ce qui se passe. Vous imaginez, si vous imaginez, votre gosse, il a 13 ans, et il consomme déjà de la drogue. Il boit de l'alcool. Votre fille, elle a 14 ans, elle a déjà eu 5-6 copains. Elle s'est déjà prostituée pour parler français. Je ne vous parle même pas de « elle ne fait pas la prière, il ne fait pas la prière ». Astaghfirullah, c'est ça le plus grave en fait. Hein? Mais on ne le voit pas ça. Nous on voit que les péchés du corps, les péchés apparents.
Alors que les vrais péchés, les vrais égarements, ce sont les égarements du cœur. Là, l'épreuve, elle va être terrible. Et vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, oh, Ya Rab, je fais quoi? C'est que vraiment... Ben, ouvrez vos oreilles. Qu'Allah nous protège. Vos gosses, là, qui sont pour vous source de bonheur, qui sont une épreuve positive, peuvent se transformer demain en bombes qui vous explosent au visage. Vous savez comment? Si vous ne faites pas le nécessaire aujourd'hui, vous allez le regretter demain. C'est quoi le nécessaire? Le nécessaire, c'est tous ensemble. Vous ne sortez pas de cette pièce sans vous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Vous êtes vacciné, majeur, assez intelligent pour faire votre devoir. Mais si vous vous séparez, on se revoit dans 6 mois, dans 1 an. Les jours vont passer, les années vont passer. Et on se reverra dans 20 ans. Vous allez me dire, pouvez-vous me faire une dua pour ma fille, pour mon fils? Oui ou non? Hein, vous vous souvenez pas, il y a 20 ans, je vous avais dit en 2012. Hein? Vos enfants sont une épreuve. Elle est positive, là. Je souhaite qu'elle le reste. Mais elle peut se transformer. Vous savez pourquoi elle peut se transformer? Parce que vous la gérez mal. Vous vous souvenez ce que j'ai dit? Notre problème, ce n'est pas l'épreuve dans le mal, l'épreuve qui nous dérange. C'est l'épreuve dans le bien. On n'est pas conscient que c'est une épreuve. On n'est pas conscient que cette épreuve peut ne pas être éternelle. Allah nous donne un enfant, il est magnifique aujourd'hui, parce qu'il n'est pas conscient, il est petit, il n'a pas de volonté. Les diables humains et non humains n'ont pas encore assez d'impact sur lui. Et demain, cet enfant qui faisait mon bonheur va faire mon... Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Très bien. Ben, si vous avez compris ce que je dis, il faut vous mettre au travail. Si vous croyez que 5-6 personnes sont suffisantes pour sauver 500-600 personnes, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Cette communauté est invitée à être en permanence sur le qui-vive, au garde à vous, tenue de combat. Vous voulez un conseil? Arrêtez de regarder la télé. Arrêtez de perdre votre temps sur Internet. Arrêtez de parler au téléphone ou d'écouter des gens parlent au téléphone pendant des heures. C'est une épreuve. Dieu vous a donné des oreilles, des yeux, du temps libre. Vous l'utilisez mal. Ça va se retourner contre vous. C'est pas que vous faites des péchés uniquement. Parce que Dieu est pardonneur. C'est que vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné dans le bien. Et le malheur va vous frapper. Et ce sont vos enfants. Ouais. Parce que quand vous passez votre temps devant la télé et sur Internet et au téléphone, c'est ce que vous faites. Vous êtes un modèle pour vos gosses. Tout simplement. La petite fille qui voit sa mère pendant des heures au téléphone, en train de parler et rigoler avec ses copines, ben elle va faire la même chose. Mais elle ne va pas le faire à 30 ans comme toi tu le fais à 30 ans avec ton intelligence, tu connais tes limites, bon, là, mais un peu de pommade quand même, ouais, etc. Non, ta gosse là, à 8 ans, elle va le faire. Et l'autre bout du fil, tu ne sais pas qui c'est qu'elle a. Et elle est morte. Ton gosse là, toi tu es sur Internet, c'est ça? Tu es en train de regarder des choses intelligentes. Quand c'est le cas. Mais lui, à 10 ans, il ne va pas regarder les choses intelligentes que tu regardes. Il va regarder des trucs que tu ne peux même pas t'imaginer. Wallah, cette haram qu'il y a sur Internet, ça dépasse l'entendement humain. Ben, tu sais ce qui va se passer? Ben, ton gosse, ouais,
Tu l'as détruit, tu lui as servi de mauvais exemple. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Je vous ai dit que j'allais être méchant, vrai ou faux? Ça fait mal, hein? Ouais. C'est ce que, pourquoi ça fait mal? Parce que c'est dur maintenant de mettre ça en pratique. Il faut le faire. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Tu es en train de nous dire que c'est haram? Voilà, tout de suite les raccourcis. Ouais, tout de suite, les raccourcis et les extrêmes. Non, je ne vous ai pas dit de jeter la télé, ni internet, ni le téléphone. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit d'utiliser ça de manière intelligente, la bonne dose. Ouais. Et votre temps, utilisez-le de manière utile et intelligente. Ne perdez pas votre temps. Car le temps est une épreuve. C'est une question de temps. L'être humain va vers le mur. Qui c'est qui va s'en sortir? Ceux qui font le bien, ceux qui agissent, ceux qui travaillent en groupe pour conseiller la vérité, pour conseiller le bien. Vous devez tous au minimum être adhérents de l'association. Laissez vos coordonnées. Venir les samedis, dimanches, les mercredis, là, ce sont les vacances. On fait quoi avec nos gosses pendant les vacances? On ne sait pas comment faire. Alors ils sont toute la journée sur la play, les jeux qui détruisent leur cerveau, qui sont en train... Vous rêvez si vous croyez que tous ceux qui fabriquent ces jeux-là les font pour la santé, l'équilibre de vos enfants. C'est pas vrai, c'est du poison. Ils sont en train de détruire nos gosses. C'est pas de la parano. Je ne suis pas dans la théorie du complot, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Achetez un livre, lisez-le, ou allez sur internet et écoutez-le. Ça s'appelle Lobotomie Télévision, Monsieur Demeturge. Lisez le bouquin, vous allez voir que les diables, les chayantines, ouais, leur objectif c'est votre gosse, dès l'âge de 6 mois, de 1 an, il remplit son disque dur. C'est une catastrophe. Après, on s'étonne et on se demande pourquoi les jeunes sont comme ça aujourd'hui. Ils ne sont que le fruit d'une stratégie satanique. Et on n'en est pas conscient. Parce que on passe 2 heures au téléphone à dire des conneries, à écouter des conneries, au lieu de passer 2 heures à lire un livre qui nous montre et qui nous explique A plus B les dangers des moyens qu'utilisent ces gens-là aujourd'hui sur nos enfants. Et après, on se mord les doigts et après, on dit « Ya Allah, Ya Allah ». Allah, il t'a dit, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif, tu ne me l'as pas. On est au courant, on sait, mais on ne veut pas. Parce que c'est dur. Et l'être humain, il est feignant. Parce que ça demande du boulot et l'être humain ne veut pas faire d'efforts. Vous vous trompez si vous croyez que nos enfants ne sont pas une épreuve. Et c'est la plus grande des épreuves. Qu'Allah fasse que nos enfants soient meilleurs que nous. On est d'accord? Non, au minimum comme nous. C'est ça? Non, meilleur que nous. Bon, bref, peu importe. Qu'Allah fasse que nos enfants ne s'égarent pas. Et pour qu'ils ne s'égarent pas, il y a du boulot. Le boulot, c'est quoi? C'est la main de Dieu est avec le groupe. Oui ou non? Et celui qui s'écarte, s'écarte en... Mohamed Shadda, Shadda, dit... Non, vous entendez le hadith? Je répète. Le groupe, c'est l'association, hein. Ok? Il n'y a pas autre chose, hein. Non? Vous connaissez une autre structure qui nous unit? Regardez, s'il n'y avait pas l'association, est-ce qu'on serait dans le groupe aujourd'hui? Non? Donc, comment réaliser notre projet de vivre en groupe, notre religion? Il faut passer par le biais d'une structure. La seule structure que nous avons, c'est l'association et elle est suffisante. Très bien. Le hadith dit, la main de Dieu est avec le groupe. Donc, la main de Dieu est avec quoi? Oui, mets-moi de l'eau. Alors, la main de Dieu est avec quoi? L'association. Oui ou non? Il y en a, ils ne sont pas d'accord.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Vous savez qu'on est en France, c'est la démocratie, liberté d'expression. Ouais. La main de Dieu est avec le gros. Oui ou non? Hadith Sahih. Là, regardez, nous sommes le gros. Il doit y avoir un autre groupe quelque part. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en groupe maintenant? C'est l'association. S'il n'y avait pas eu 4-5 personnes, une dizaine, qui pensent créer des activités pour réunir la communauté musulmane, qui, lorsque tu ne la réunis pas, ce sont des individus, chacun dans son coin. Donc, ça veut dire que la main de Dieu est avec l'association. Parce qu'il y a une règle qui dit « Ma la yatimmu l'wajibu illa bihi fa huwa wajib » Puisque c'est obligatoire d'être uni et de vivre en groupe pour que la main de Dieu soit avec nous, et le seul moyen de créer le groupe, de l'entretenir, c'est le travail associatif. Vous savez, comme les animaux là, un troupeau, le lion vient, il y en a un qui s'écarte. Qui c'est qui se fait manger? Le groupe ou celui qui s'est écarté? Pourquoi il s'est écarté? Il s'est écarté pour sauver sa peau. Parce que quand il était dans le groupe, il y avait des gens devant lui. Ses confrères là, ses compères. Il le gênait. Donc il veut quoi? Il veut s'écarter du groupe pour avoir de l'espace, pour courir plus vite. Parce qu'il y a le lion derrière. Il s'est fait quoi? Il s'est fait arnaquer par lui-même. En s'écartant, le lion le capte, et là il a 100% de chance de se faire manger. Alors que quand il était dans le groupe, s'ils sont 1000, il a une chance sur 1000 de se faire. Vous me suivez? Quand on est en groupe, on s'entraide pour éduquer nos enfants, on fait des activités pour nos enfants, on crée une structure pour nos enfants, ton gosse il a un problème dans un domaine, tu me le donnes, je m'en occupe, moi je te donne le mien. Est-ce que vous... C'est ça le défi, l'épreuve. L'épreuve, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de comprendre que notre santé, notre temps, notre argent, nos compétences au service des êtres humains, au service des musulmans, à travers la structure qui s'appelle l'association, si on ne fait pas ça, nous n'allons pas réussir l'épreuve. L'examen, on va le perdre. On va perdre nos enfants. Donc, on se perd nous-mêmes. Wallah. Alhamdulillah. Une petite question. Vas-y. Ah, avoir des copains ne veut pas dire se prostituer. C'est tellement dommage de rentrer dans ces diminutions. Filles, garçons. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais malheureusement, ça commence comme ça. Copain, copine, ouais. Et les statistiques sont là pour le prouver. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi celui qui a une copain, une copine, il se priverait de sortir avec sa copain et sa copine, ouais, au cinéma. Bah après, ils prennent le formulaire, ils passent une nuit ensemble. Et alors, je fais, c'est pas haram. Puisque la personne n'a plus de repères religieux. On va dire, ben non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Ben alors là, c'est pas la réalité, ça se voit que vous n'avez pas été à l'école, que vous n'y allez pas. Et ça se voit tout simplement que vous lisez pas les mails et les SMS que s'échangent les jeunes. Non, faut arrêter. Si vous croyez qu'un jeune garçon, quand il atteint la puberté, ou une jeune fille qui atteint la puberté, ne pense pas, on va être cru, on va être direct, toi, on va arrêter de se voiler, ouais. Alors là, c'est que je ne sais pas dans quelle planète vous vivez, mais sur Terre, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Le garçon, il cherche à draguer une fille, la fille, elle drague le garçon. Pas pour faire des maths ni de la physique. C'est une évidence. Ah, maintenant, quand vous me dites copain, bon, tout dépend ce que vous appelez copain, hein, c'est-à-dire avoir des relations saines et pures, des contacts dans la limite de la pureté, dans la limite de la morale, etc. Ben, je pense que c'est humain, c'est normal et c'est naturel. Mais bon, faut pas jouer avec le feu. Un adolescent, tu le rapproches d'une adolescente, si tu rapproches une flamme d'un ballot de paille. C'est normal. Les pulsions sexuelles sont là. Et l'être humain veut les assouvir.
Et nous, ce qu'on dit, c'est il faut juste faire ça dans les règles de l'art islamique, le mariage. Tout simplement. Et avant le mariage, il faut se préserver, il faut rester chaste et vertueux. Pas de fornication, pas de dévergondage. Il faut rester pur. Parce que ce que notre société nous enseigne, c'est la jungle sexuelle. Et c'est dégradant pour la femme. Parce qu'on apprend aux garçons à ne voir dans la femme que un corps dont il faut qu'il jouisse de manière momentanée, le plus gratuitement possible, pour s'en débarrasser, pour passer à la suivante. C'est la réalité. Question vite fait. Oui. Il y a un frère qui pose la question, est-ce que ce que vivent nos frères musulmans dans les pays musulmans actuellement, est-ce que c'est une épreuve? Alors, vous faites sans doute allusion aux révolutions dans les pays musulmans. Est-ce que c'est une épreuve? Tout est épreuve dans la vie. Hein, tout est épreuve. Maintenant, ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est pas compliqué. Ça fait 50 ans, 60 ans, 100 ans qu'ils sont sous la domination de dictateurs, de tyrans, de despotes, de... Je sais pas... Vous avez des mots... C'est suffisant? Des diables. Non, non, stop, Allah. J'ai insulté le diable. Le diable, il est gentil, le diable, comparé à ces monstres qui dirigent les pays musulmans. Non, c'est... Je pense dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu des pseudo-humains, parce qu'à mon avis, ce ne sont plus des humains, qui ont fait ce que sont en train de faire ces trucs dans les pays musulmans. Non, c'est... Regardez la Syrie. C'est une moyenne de 100 maintenant par jour. Ça a commencé avec 5, 20. Maintenant, on est à 100. C'est terrible. Et tout ce que demandent les gens, c'est de la liberté, c'est ça? De l'égalité, de la fraternité. Ce dont nous jouissons, nous, gratuitement, tous les jours. Parce que ça peut disparaître, hein, c'est pas éternel. Ouais, attention. Hein. Donc, vive les peuples musulmans qui se soulèvent contre les tyrans et les despotes qui les empêchent de vivre dans la liberté. Il faut les soutenir à travers vos invocations, humainement parlant, au niveau humanitaire, politiquement parlant, et que Dieu maudisse tous ces despotes et tyrans et tous ceux qui les soutiennent. Mettez pour jeter pour qu'elle soit encore pire. Référence à la fille qui a un cancer du cœur. De plus, c'est peut-être une épreuve de Dieu, comme vous l'avez dit au début. Il faut pas jeter sa fille, mais l'éduquer. Ah ouais, je suis d'accord avec vous. Faut l'éduquer, mais à un moment donné, la fille n'écoute plus, le garçon n'écoute plus. Et au contraire, ouais, ils sont plus dans la posture, certains enfants aujourd'hui, de respect des parents. Le minimum. T'es un enfant, t'es chez ton père et ta mère. Le minimum, c'est quoi? C'est tu la fermes. Ouais. Non mais c'est vrai. T'es nourri, logé, t'es habillé, tu te laves quand tu veux. Tais-toi. Ne dis rien. Astaghfirullah, tu devrais dire merci 24 heures sur 24 à tes parents. Non, il la ramène. Il la ramène. Elle insulte sa mère. Elle insulte son père. C'est quoi ces gosses d'aujourd'hui? Oui, ils frappent leurs parents aujourd'hui. Ils les agressent. Et la pire des agressions, c'est la psychologie. L'agression psychologique. Non, moi j'ai conseillé la sœur. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun gère son problème. Mais il ne faut pas avoir peur de s'amputer d'un bras. Parce que vous avez d'autres enfants. Hein. Attention. Hein. Et c'est la gangrène, un gosse pourri dans ma maison. Pour les autres, surtout. Et si la vie, elle devient insupportable, subhanallah, on se sépare de sa femme ou de son mari, oui ou non, divorce, ça existe. Et tu veux pas que je me sépare de ma fille ou de mon fils lorsqu'il me rend la vie impossible? Les malheurs ne sont pas, à mon avis, des éléments de Dieu, mais de l'homme, petit malheur. Alors, pourquoi aurait-on une récompense? Non. Nous croyons que tout ce qui nous arrive, si Dieu n'avait pas voulu que ça arrive, ça n'arriverait pas.
Parce que ça serait grave de dire que nous faisons des choses contre la vie de Dieu, contre la volonté de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu est faible. Ça voudrait dire que Dieu ne gère pas, Dieu n'a pas tous les pouvoirs. Il ne faut pas croire comme ça, c'est de la mécréance. Tout ce qui nous arrive, Dieu l'a voulu. Alors ça veut dire quoi, Dieu l'a voulu? Ça veut dire que si Dieu ne veut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Oui ou non? Maintenant, si c'est arrivé, Dieu a laissé faire. Pourquoi? Pour t'éprouver. Tu gères l'épreuve, tu es récompensé comme il se doit. Tu la gères mal, tu ne seras pas récompensé. La croyance, la foi est tellement belle qu'il ne faut pas faire peur aux gens pour les guider dans la foi. Prendre des beaux exemples, des épreuves me semble plus judicieux. Vous avez raison. Exactement. Il faut mettre en évidence les épreuves positives. Mais généralement, on n'a pas de problème avec les épreuves positives. C'est ça, hein? Quand vous mangez, c'est bon. Bah, vous téléphonez pas à l'imam. J'ai eu un problème à midi, c'était bon. Non? Généralement, qu'est-ce qui remonte? Ce sont les épreuves qui nous dérangent et qui nous déplaisent. C'est pour ça qu'on en parle, pour apporter des réponses. Mais bon, c'est vrai que j'ai voulu surtout insister sur l'épreuve des épreuves qui est celle de l'avenir de nos enfants, pour que l'on bouge, pour que l'on réalise notre projet. Mais je vous rejoins, effectivement, il faut mettre en évidence, le bon côté des choses. La foi, elle est belle, je suis d'accord avec vous. Je reviendrai une autre fois, Inch'Allah, pour parler de le bon côté de l'épreuve. La vie étant un test, Dieu teste nos comportements. Nous avons donc un libre arbitre, tout à fait. Tout même une égratignure viendrait-il de Dieu, ou avons-nous une emprise sur certains choix de nous? Oui, l'être humain est libre de faire le bien ou de faire le mal. Et il sera jugé par rapport au bien qu'il a fait ou au mal qu'il a fait. Maintenant, ce qui nous arrive malgré notre volonté, on ne sera pas jugé. Hein, vous glissez sur une peau de banane, vous cassez l'orteil, vous n'irez pas en enfer à cause de ça, hein, puisque vous ne l'avez pas voulu. Par contre, vous pouvez aller au paradis grâce à ça. Si vous gérez bien le malheur, si vous dites « Alhamdoulilah, ok, j'accepte la volonté de Dieu, le destin de Dieu. » Donc, le bien et le mal, on sera jugé. Ce qui nous arrive malgré nous, si on le gère bien, on sera récompensé. Un message pour les personnes qui souffrent ici, divorce, perte d'un parent. Si Dieu nous récompense pour une épine qui nous pique, qu'est-ce que vous pensez alors de la récompense lorsque l'on perd quelqu'un que l'on aime? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux anges, j'ai pris l'âme de mon serviteur. Là, il parle de l'enfant. Qu'est-ce qu'a dit son père? Qu'est-ce qu'a dit sa mère? Ils ont dit « Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Dieu dit aux anges, réservez-leur une place au paradis et appelez cette place Baytul Ham, la maison de la louange. D'ailleurs, beaucoup de parents entreront au paradis grâce à leurs enfants qui sont morts en bas âge. On les appelle « Da'amisul Jannah ». Da'amus, c'est le bourgeon, le petit enfant. Lorsque Dieu va dire aux enfants « Entrez au paradis », donc ceux qui sont morts avant la puberté, ils diront « Seigneur, comment peut-on entrer au paradis sans nos parents ?» Et Dieu leur dira « Prenez vos parents par la main et entrez avec eux au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui j'ai retiré la vue et qui patiente n'aura d'autre récompense si ce n'est que le paradis. » Pour tout malheur, il y a une récompense, à condition de savoir d'où ça vient, de patienter et de gérer l'épreuve. Doit-on interdire les jeux vidéo à nos enfants? Si vous pouvez remplacer les jeux vidéo par d'autres jeux qui ne sont pas nocifs, c'est évident. Je ne vais pas laisser mon enfant jouer à un jeu qui est dangereux pour son corps, son cœur et son esprit. Maintenant, tous les jeux vidéo ne sont pas mauvais, hein, attention, hein. Tombez pas dans l'extrême.
Il y a des jeux qui sont neutres, il y a des jeux qui ne sont pas nocifs. En vérité, vous savez, ce qui est dangereux, c'est l'excès. Hein? On exagère. Mais quand c'est 4 heures, pendant 4 heures, ils jouent. Alors, je ne vous parle pas des jeux qui sont interdits. Hein. Ça, il y en a. Vous savez, les jeux là où ils passent des heures à tirer et à tuer. Ça existe, ça. Ou des jeux où ils conduisent une voiture et puis ils font des accidents, ils roulent vite. Non? Des jeux maintenant, ce sont des jeux où c'est des hommes et les femmes, elles sont habillées comme il faut. Vous voyez quoi? Hein? Le gosse, à l'âge de 5 ans, il s'habitue déjà à la nudité. Non? Bref, il y a des jeux... Non, il y a pire. C'est, vous savez, les jeux où tu passes d'un monde à un autre. C'est ça? Si bien que le gosse, même quand il a arrêté, vous voulez, stop, tu vas dormir? En fait, il arrête son jeu, mais... Il continue à jouer... Et il attend avec impatience pour revenir pour monter. Et ça, ça l'empêche de vivre. Hein. Il y a des études qui ont été faites sur l'impact des jeux sur le mental de nos enfants. C'est une catastrophe, vous entendez? C'est une bombe à retardement. C'est une maladie. C'est une drogue. Occupez vos enfants. Sinon, Shaitan s'occupe d'eux. Comment les occuper, vous allez me dire? 1. Le travail. C'est la santé, physique et psychologique. Faites bosser vos enfants à la maison. Arrêtez de tout faire à leur place. Arrêtez de les servir comme des rois. Vous en faites ce qu'on appelle l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant qui a tous les droits et qui est gâté. Un gosse, plus vous le responsabilisez jeune, mieux c'est pour vous. 1. Il devient vite mûr et mature. 2. Il est occupé. 3. Il est débrouillard. Occupez vos enfants à la maison. Vivez avec eux. Et les moments de détente qui sont nécessaires et obligatoires pour son équilibre, ne laissez pas l'enfant livré à lui-même ou aux autres. Participez, soyez présents. Pour ça, la présence du père est nécessaire. Vous entendez? Beaucoup de pères ne sont pas présents dans l'éducation des enfants. Ils laissent la mère toute seule, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, et elle n'y arrive pas, et à la fin, elle démissionne, et elle dit, oui, ben, j'en peux plus. Donc, allez regarder la télé, allez jouer, allez sur Internet.